Mais oui, c'est un monstre, bien sûr. Trump, c'est un bourreau. C'est un bourreau d'amour. Et il te le fait payer, bah oui. C'est comme l'autre, la fille là, la chancelière. Soi-disant ta meilleure amie, on voit ce que c'est. C'est ignoble. C'est Bachar, c'est le Raïs. Ouais. Oui, c'est vrai, Nagui a maigri, c'est vrai. Oh, 75 ans, je dirais. Ça fait longtemps qu'on le voit. Je dois te laisser là, d'accord? Je dois te laisser, il y a le rappel des titres sur France Info, je dois écouter. Je t'embrasse. Mais oui, on grandira plus tard. Allez, et oh, tiens bon, hein. Tu tiens bon. On est ensemble, ne l'oublie pas. Ciao. C'était qui? Bachar. Ah. Raïs. Merci d'être venu. Ça t'a manqué, ça. Ouais. Bah ouais, merci d'être venu. Bah ouais, heureusement que tu me remercies, c'est la moindre des choses. Avec mon emploi du temps de taré, là, j'arrête pas. Espionnage, contre-espionnage, Abercrombie, j'ai plus une minute. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Bah pas grand-chose, hein, moi. Toujours hétéro à 2000%. 2000%. J'étais redescendu à 1700. Oh. Au début du confinement, ouais, mais là c'est bon, cette fois ça va, c'est la bonne, je pense. Et je t'écoutais parler là, excuse-moi pour mon indiscrétion. Pas, c'est pas bien ça. Désolé. Tu vas te faire punir. Ouh. C'est quoi ce bordel? Tu bosses pour la DGSE? Oui, non, bah ça c'est surtout dans mon coin pour moi pour l'instant. Quoi. Mais si la DGSE regarde ta vidéo là, moi ils peuvent me prendre, je suis l'agent idéal. Tu peux pas me faire pression. Ah ouais? Aucun moyen, parce que tu peux pas dire hey, ta famille, ce qu'on va lui faire, tes amis, parce que moi j'ai pas. Bah non, de... t'as pas de famille toi. Bah ouais. Bah non, toi t'es seul. Ouais. Ah ouais. T'habites seul. Ouais. T'as personne. Bah voilà. Et j'ai des photos du passé, de par contre quand j'étais heureux, pour ah si ouais, en mission il y a besoin. Et puis je peux mourir pour la France. Moi j'ai envie de crever au premier acarien dans une pièce, j'ai envie de me tirer une balle. Donc tu m'envoies sur le terrain, quand tu n'as plus besoin de moi, tu coupes les antihistaminiques. C'est parfait, je suis l'agent idéal, quoi. Si la DGSE regarde, même Daesh, hein, j'en ai plus rien à foutre. Tu dois avoir accès à des dossiers top secret. Un peu, c'est vrai, mais est-ce je pourrais que... pas t'en parler. Un. D'accord. Ok, cool. La prochaine guerre mondiale. Je peux pas t'en dire trop, mais ce que je sais, c'est qu'il y aura les émojis d'un côté. Je sais pas encore contre qui, mais ce sera les émojis d'un côté. On va entendre dans les temps qui viennent de plus en plus de platitudes prononcées avec de plus en plus d'emphase jusqu'au basculement où les émojis prendront le pouvoir et contrôleront le monde. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur, je sais pas moi, le conflit israélo-palestinien? Non, ça c'est un des plus connus, c'est un facile, truc super connu ça. Il est, franchement, moi je le connaissais depuis longtemps et bah, là ce que je peux te dire c'est Israël-Palestine. Ouais. Sans trop divulguer, disons, ça va se régler. Cool. C'est quasiment fait, ouais. Super. En tout cas, c'est en très 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 bonne voie. Ouais, c'est chouette. Et toi alors, quoi de neuf, mon pote? Bah moi, je suis trop saucé. Je viens tout juste de vendre ma première peinture. Enfin. En fait, on peut y voir dessus Marie, la Vierge Marie, au début de sa grossesse, accroupie, en train de vomir, vraiment dégueuler toutes ses tripes, pendant que Joseph, derrière, lui tient les cheveux. Pour l'aider à vomir. Ah, bravo. Merci. Moi, j'adore la peinture. Qu'est-ce que tu bois, là? Là, tisane nuit de cristal. Tu veux boire un truc? Oh, je veux bien de l'eau. Tu veux bien de l'eau? Allez, tu me donnes ton verre? Tiens. Merci. De rien, tu plaisantes. C'est gentil à toi. Tiens. Merci. Tu plaisantes? J'avais vraiment soif. T'as l'air d'avoir super soif. Oh oui.
Ça, c'est quelqu'un qui avait très, très, très soif. Ah oui, qu'est-ce que j'avais soif. Voilà un grand garçon qui avait bien soif. Ah oui. Très, très soif. Ça fait du bien, hein. Oui. C'est joli ici, en tout cas. Une de tes propriétés, elle est jolie. Une de mes résidences secondaires. Il y a beaucoup d'arbres. Ah oui, moi j'adore les arbres. Est-ce que tu savais que les arbres arrivent à communiquer entre eux? Eh ouais. Je sais pas encore comment ils font ça. J'en ai abattu une dizaine pour les étudier, surtout des peupliers. Pour l'instant, je peux pas te dire comment ils font. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se parlent. Voilà. Hélas, c'est souvent pour se dire des trucs de cul. D'ailleurs, t'as fait installer une alarme là, non? Ouais, very sûr. Et alors, c'est comment? C'est hyper rassurant. Ouais, surtout qu'il y avait beaucoup de cambriolages pendant les vacances. Il faudrait vraiment que je fasse pareil. Bah oui, ouais. T'es tout seul. T'as personne à protéger, Augustin. Qui tu vas protéger? T'es tout seul, t'as personne. C'est vrai. Tu vis seul et t'auras jamais personne. Vraiment, vraiment personne, Augustin. Tu n'as personne. Dracula. Ton genre cinématographique préféré? Je dirais ex aequo, le western spaghetti et le porno hardcore farfalle. Drôle d'année 2020. Un peu bizarre quand même. C'est quoi ton meilleur souvenir pour l'instant de cette année? Mon meilleur souvenir, je pense que... c'est quand mon caviste s'est mis à m'appeler Sacha. Depuis, on a une complicité folle et on pourrait parler pendant des heures à chaque fois que je lui rends visite dans son établissement, la cave du pédophile. C'est un mec en or, il m'a fait découvrir l'œnotourisme sexuel. Et je suis bien content de l'appeler vieille branche. D'ailleurs, j'ai monté mon site internet. Mon caviste est un type sympa.net. Et toi, ton meilleur souvenir de 2020? Moi, c'est... Le plus grand? C'est les moments passés avec toi. Le confinement, j'imagine que ça a été compliqué pour toi. Moi le confinement, en fait j'en ai profité pour faire une retraite spirituelle. C'est-à-dire méditer, être seul avec mes pensées, apprendre à me connaître moi-même. Du coup c'était horrible. Mais bon, j'en ai profité aussi pour peindre, comme je te disais, lire, aller en réanimation. J'ai aussi appris à faire moi-même mon propre pain et aussi ma méthamphétamine. T'es pas tombé malade? Moi je suis mort asymptomatique. Mais quand tu y penses, quand tu y réfléchis, ce qui est bien quand tu perds ton goût et ton odorat, c'est que tu peux mélanger n'importe quel vin à n'importe quel yaourt. Tu manges mieux, ça se voit. J'ai pas du tout fait attention, c'est gentil, merci. De rien. Toi par contre, t'as fait du sport ces derniers mois, ça se voit, hein. Parce que quand tu me baisais là, oh là là, t'étais inarrêtable quoi, une vraie pile électrique, vraiment tu pouvais pas t'arrêter de me baiser. T'as fait du sport, avoue. Il y avait que les sports individuels qui étaient autorisés pendant le confinement. Donc moi, j'en ai profité pour me mettre la Formule 1. C'est un sport que j'ai découvert là. Mais dans la limite de 1 km autour de ma propriété, que je tenais en quelques secondes. Et je faisais ça tous les jours, une heure par jour. Je m'astreignais en écoutant l'émission Allegretto sur France Musique avec Denisa Kershova. C'est trop bon de conduire. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon. J'adore. Ne dis pas que t'as ressorti la brêle. Ah si. Avec les beaux jours qui viennent là. Tu dois te régaler. Tu conduis quoi en ce moment? Kawasaki Ninja 400 mon général. Bon, j'utilise surtout pour des trajets de type boulot-dodo, mais également pour des promenades avec mes schtroumpfs. Mais elle a quand même une sacrée bouille de dévoreuse de bitume, hein, cette grosse salle. C'est trop bon, ça doit être agréable pour les gamins quand tu les conduis aussi. Ils adorent. Moi je vois les gamins là, j'ai vu pendant le confinement avec les profs, leurs instits. Moi j'ai la chance d'être hétéro à 2000%, j'aime la chatte avec la chatte. Et j'ai vu que les profs, le travail qu'ils ont fourni pédagogiquement, à distance, tout ce qu'ils ont mis en place, chapeau. Comment tu le vois ce monde d'après qui s'ouvre? Tu sais, les gens de notre génération, enfin de ma génération, avaient dans leur chambre des posters de Zidane ou Federer. Nos parents, eux, ils étaient fans des Stones, des Beatles.
Bah moi, je suis persuadé que la nouvelle génération, elle aura pour idole les community managers. Aujourd'hui, en toute situation, il faut se poser la question, qu'aurait fait le community manager de Netflix? Mais aussi, le CM de Decathlon aurait-il été pro-Israël ou alors pro-Palestine, comme le CM de Carrefour France? Pour moi, la prochaine personnalité de l'année de Time Magazine sera community manager. Peut-être celui de Carambar. Est-ce que toi aussi, tu as décidé de changer pour t'adapter à ce monde qui s'ouvre? Pas vraiment, mais je suis ouvert à tout. Par exemple, je suis pas contre l'idée de changer de sexe. Moi, j'en ai pas vraiment envie, mais si, en le faisant, ça fait un monde meilleur, alors oui, sans aucune hésitation. Par contre, à une seule condition, que mon pénis, une fois retiré, soit jeté dans une poubelle qui parle du parc Astérix. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai de plus en plus l'impression d'être une femme enfermée dans un cadavre d'homme. Mais tu t'es pas fixé d'objectifs plus raisonnables comme arrêter de fumer ou... Non, non. Par contre, j'arrêterai de fumer si je deviens une femme. Parce que je trouve qu'une femme qui fume, c'est vulgaire. Mais ouais, hein. Virus de merde. Putain de virus de merde d'enculé, quoi. Fils de pute. Ouais. Saloperie de virus. Tu sais, bah t'es au courant. Toutes nos vidéos, là, tous nos projets, tous nos tournages, ils ont été soit annulés, soit décalés à on sait pas quand, quoi. Ad vitam. Exactement. Et même la vidéo, on voulait faire vapoter des crapauds. Mais oui. Repoussé. Ça, j'ai pas compris. Bah moi non plus. On voulait juste faire vapoter des crapauds. Bah ouais, on fait une balle à personne. Bah oui. On voulait faire vapoter des crapauds. Alors après, on nous dit, oui, vous pouvez aller à la gare, vous entasser dans des trains, pas de problème, vous pouvez faire les courses. À l'heure de pointe, voilà, vous faire des queues énormes dans les supermarchés, mais vous pouvez pas faire vapoter des crapauds. On peut pas, quoi. Soit disant que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, je sais pas quoi, pour faire vapoter des crapauds. Mais de qui on se moque, là? Ouais, c'est complètement stupide. On vit de plus en plus en 1984. Qu'est-ce que t'en penses du coronavirus, toi? Non, je pense que t'en as une petite idée. Non? Redis-moi. Je t'explique. Corona et virus sont dans un bateau. Ou plutôt dans un labo. Ah là là, se dit le gars qui vit sur la planète Pognon. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui me fout mon nez dans la merde que j'avais créé pour gagner plein de fric? Attends, en exploitant les enfants. Attends, faut que je le prenne. Allô, maître? Oui, maître. Absolument pas, maître. J'entends bien, maître. Si telle est la ligne de défense à suivre, maître, alors nous la suivrons, maître. Mais oui, maître. Très bien. J'y réfléchirai pendant la nuit. Elle porte conseil, maître. D'accord, maître. Au revoir, maître. Non, c'est toi qui raccroches, maître. Non, c'est toi, maître. 1, 2, 3. T'as pas raccroché, maître. Au revoir, maître. Excuse-moi, c'était mon avocat. T'as des ennuis? Oh non, la routine. On intente un procès contre le site de réservation Bière et Duc, oui, qui avait pompé un max de fric à nos spectateurs pendant Dava 8. Mais ça se présente bien. Bah, Netflix a déjà acheté les droits pour faire une série. Ouais, ouais. Ça va s'appeler The People versus Bière et Duc. Ce que tu sais, c'est qu'on va pas jouer dedans, nous. Ouais. On n'a pas le temps. Mais ce que tu sais pas, c'est que j'ai enfin le nom des acteurs qui vont nous incarner. Alors moi, je vais être joué par Raphaël Personnaz. Toi, Bénédicte Cumberbatch. Ah. Ouais. Et en plus, ce que tu sais pas, c'est que le vrai procès, il va être aussi filmé et diffusé en direct à la télévision. Ouais, c'est pas arrivé depuis 94 avec le procès de Paul Touvier, tu sais, l'ancien nazi. Alors, je sais ce que disait Godard, quand on regarde la télé, on baisse les yeux, quand on s'autosuce, on les baisse encore plus. Mais Netflix, c'est hyper pratique quand tu y penses, tu peux regarder dans l'ascenseur. Moi, j'aurais adoré me défendre moi-même, hein, au procès. J'aurais adoré. Mais légalement, un avocat n'a pas le droit de se défendre lui-même, tout seul. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'accepte. C'est le jeu. Donc t'es avocat? Bah ouais, tu savais pas? Non. Bah je suis avocat, bien sûr. Depuis quand? Depuis que je suis avocat, enfin je suis avocat. T'es pénaliste? Pardon? T'es spécialisé dans les affaires pénales? Tu m'as perdu là. Bah tu t'occupes d'affaires liées à des crimes, des délits. Ah oui, oui, voilà, oui. T'es ouais. Dans le pénal. Je suis avocat pénal, oui. Pénaliste. Avocat pénaliste, oui, voilà, je suis avocat pénaliste, ouais.
Ouais. C'est bien. C'est super. T'as beaucoup d'acquittements pour l'instant? Ça doit être dur au début, non? Beaucoup de quoi? T'as des acquittements? Tu gagnes des procès? Ouais, je gagne beaucoup, ouais. Ah, je ouais. gagne tout le temps. C'est trop c'est... bien, ouais. Bah bravo. C'est trop bien. Merci. Mais c'est marrant que tu parles de Netflix, parce que moi aussi j'ai un gros projet en préparation avec eux de documentaire. C'est quoi? Une enquête, c'est ce que je sais faire de mieux. Ce sera sur les traces de Papi Chulo. Et ouais, qui est un mec hyper cultivé en fait. Parce que nous on a tous cette image, tu vois, à cause de la célèbre chanson de Papi Chulo, ouais. Papi Papi. Mais en fait le mec est adorable. J'avais beaucoup de questions à lui poser comme Te gustel, te traigol. Je voulais savoir ce que c'était ce à quoi ça faisait référence? Pourquoi ce mot? Pourquoi une onomatopée plutôt qu'un vrai mot? Est-ce qu'il y avait censure? Est-ce qu'il y avait danger? Est-ce que c'est politique? Et oui, c'est politique, c'est ce que j'ai découvert là-bas. Et puis même, tu te souviens que la chanteuse, elle disait aussi « Papi, 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 bengami, bengami ». Et ça, ça veut dire « viens à moi ». Mais pourquoi une telle urgence? Tu vois, j'avais une intuition qu'il y avait du danger dans la chanson. Et d'autant que le premier mot de la chanson « Linky Pit », c'est « chambolocco ». Chambolocco. Et ça, 9 mois en immersion là-bas pour mon enquête au Panama, j'ai découvert que chambolocco, ça veut dire autochtone fou. Donc oui, il y a danger et réellement, c'est important. Et je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a une mamie chula? Alors là, il a été très évasif là-dessus, mais j'ai eu quand même quelques clés par son entourage et la réponse est assez surprenante à cette question. Ah ben ça, il faudra regarder le documentaire. Oh. Mais c'est un projet qui me tient tellement à cœur parce que cette chanson, en dehors d'avoir un peu révolutionné la pop culture, elle a ouvert la voie à une meilleure représentation de la culture panaméenne et de ses valeurs profondes. Tu remarqueras que tout est interrogatif dans la chanson. C'est toujours « te gusta ?»« Elle Te traigo ?»« Elle Ouais. Tu vois, c'est parce qu'au Panama, on n'impose jamais les choses, on ne force jamais. On propose, toujours. Est-ce que toi aussi, tu penses que Dingo a tué sa femme ? Restez avec nous pour un entretien exclusif en compagnie de Iggy Pop, alias The Boss. Ne zappez surtout pas. Mais ouais, mais le message du gouvernement était complètement ambigu, ou c'est moi là? Tellement. Et c'est ne sortez pas, ne sortez surtout pas les flics, gnignin. Et 2 mois après, qu'est-ce qu'on entend? Oui, vous pouvez sortir. Non, mais merci. C'est tellement clair. Putain. Comment toi, t'arrives à t'y retrouver dans toute cette merde? Comment t'arrives à t'informer? M'informer, bah déjà plus dans les médias qu'on a, quoi. Bah moi, non. Je m'informe où? Je m'informe à la source, dans le réel. Ouais. Je veux pas que ce soit déformé. Ma source, c'est quoi? C'est la rue. C'est les clochards. Je donne une pièce aux clochards pour avoir l'info, pour savoir ce que dit Trump réellement, tu vois. Moi, je suis pas de nature complotiste, mais je suis persuadé que Jésus a été trahi en réalité par Matthieu. Ça se tient. Ouais. Et Dieu? Dieu, bah j'y crois plus. Je suis désolé. Excuse-moi. Je te présente mes excuses. J'y crois plus, ouais. Parce que j'y crois plus, voilà. Parce que déjà, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit que c'est son vrai nom? Et puis, je crois plus à tout ça depuis que j'ai découvert que le dernier repas du Christ était en réalité un cluster. Un gros cluster, ouais. Énorme. Et puis, Jésus... Il est con, enfin, désolé, mais il est un peu con parce que pour son dernier repas, il choisit comme menu du pain et du vin. C'est sympa, mais c'est son dernier repas. Il le sait en plus que c'est son dernier. Et pourquoi il choisit ça alors qu'une bonne paella, quand même? On se retrouve juste après ça. Restez avec nous, dans un instant, Augustin nous donne son avis sans concession sur les forces de police. Restez avec nous, ne zappez pas. Dans un instant. Je trouve qu'ils ont fait un excellent boulot face aux délinquants. Je m'en lasse pas de ton eau, dis donc. Elle est bonne, hein. Tu sais que cette eau, c'est le seul truc naturel que je mets dans mon corps. Parce que moi, je me dope à mort. EPO, créatine, pour ne pas la nommer, et puis plein d'autres produits illégaux. Moi, je me dope. Parce que t'as le droit en France de te doper tant que t'es inscrit à aucune compétition sportive. Tu savais ça?
Voilà, c'est ce que je fais. Et puis toi, tu fais aucun sport? Non, je fais aucun sport. Zéro. Zéro sport. Parce que moi, pourquoi je fais ça en fait, si je fais pas de sport? C'est pour ressentir la puissance de mon propre corps. Vraiment faire ça. Ressentir dans mes veines, dans mes bras, dans mes mains, la puissance du corps qui domine. Moi, ce que j'aime, c'est dominer. J'adore ça. Moi, c'est ce que je préfère. Tu sais, quand j'agresse quelqu'un, c'est pas par haine. Faut pas croire tout de suite que c'est par haine, ni même par amour. Non, c'est pour dominer la personne. Vraiment. La dominer. N'en faire plus qu'un seul objet. C'est ce que je recherche. Être un dieu. Avec mon corps. Tais-toi. C'est fini. Ouais, moi j'ai pas le même, j'ai un rapport différent au sport. Toi c'est la muscu. Ouais. C'est ouais. Une passion pour toi la muscu? C'est une de mes trois passions, ouais. Trois? Bah ouais, bah ma première passion c'est quand même l'humour, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que quand tu ris, bah tu peux pas bander, quoi. Ça j'aime bien. C'est un aspect que j'apprécie. Et puis ma deuxième passion, donc c'est la musculation, parce que bah pareil, tu peux pas bander quand tu fais la musculation, même ta bite elle rétrécit. Ah. C'est assez intéressant et agréable. Et puis la troisième passion, bah, c'est quand même bandé, quoi. Ouais. Mais à des horaires précis, quoi, que j'aurais prévu à l'avance et tout ça, quoi. Sinon, ça devient vite n'importe quoi. Et puis ce que j'aime, moi, aussi à la salle, c'est que quand tu fais les exercices, les haltères, etc., le bruit, la cadence, tout ça, c'est... À l'oreille, ça se rapproche beaucoup de la structure originelle du... Bah, du blues, quoi. Ah, le blues. Ouais. Du Mississippi. Ouais. Le vrai blues. Le blues. Muddy Waters. Peut-être le plus grand pour moi. John Lee Hooker. Ouais, quand il chante. Buddy Guy. Oh là là. Mister Buddy Guy. Buddy Guy. B.B. King. Oh là 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 là, lui avec sa guitare. Inimitable. Pour moi, tous ces gens, ils sont là-haut, tu vois. Pour moi, ils sont au ciel. Quand je regarde les étoiles le soir, ouais. Je regarde pas les étoiles. Je regarde le blues. Le blues. C'est eux que je vois. Pour moi, ils sont tous là-haut en train probablement de faire... Faire un bœuf, ouais. Ou faire... prendre Gangripe par Liberace. C'est comme ça que je le vois, que je l'imagine. C'est triste, hein. J'en ai conscience, mais c'est tel que je le vois, c'est comme ça. D'accord. C'est tragique, ouais. Ah. Ça se finit mal, mais ouais, c'est bon, c'est le blues. Hein. Le blues. Ouais. C'est quoi ton ambition avec la muscu? Mon ambition? Ouais. C'est tout simplement de devenir le premier bodybuilder qui a lu tout Dostoïevski. Ça n'a jamais arrivé, t'imagines, c'est impossible. Bah, je pense pas, non, ouais. Mais ça, j'en parlerai plus dans mon prochain autobio show qui s'appellera Strip Up, puisque j'alternerai stand-up et striptease grâce à ça. Ouais. Ouais. C'est une idée d'Aznavour qui m'avait conseillé ça. Aznavour qui pouvait être un vrai connard en privé. T'as mentionné Dostoïevski? Ouais. Ouais, j'aurais pu prendre un de ses livres comme dernière lecture. Là, je suis en train de lire Voyage au bout de la nuit. Ouais, bon, c'est pas terrible, j'en suis à la 50e page, ça fait 6 mois que je le lis... Et... quoi? Non, c'est normal, hein. C'est normal. Je lis très très lentement. J'arrive pas à me concentrer quand je lis, parce que dans ma tête, c'est vraiment genre... Dans ma tête, ça s'arrête pas. Et je peux pas me concentrer, voilà, quand je lis, donc ça prend du temps, ouais. Et encore, quand je te dis 50 pages en 6 mois, là, je suis au-dessus de ma moyenne. Je m'améliore, ça va. Donc voilà, ouais, c'est ma dernière lecture, Voyage au bout de la nuit. Pourquoi la dernière? Ah, bah, c'est tout simple en fait, je voulais terminer avec un gros classique pour pouvoir dire oui, je l'ai lu, et ensuite me concentrer uniquement sur la Xbox. À partir de là, ça sera Xbox, 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 Xbox tout le temps. Tout le temps? Mais combien de temps? Jusqu'à ce que je crève. Mais pas tout le temps, enfin tu as quand même mangé. Le strict minimum.
Moi, c'est un livre, Voyage au bout de la nuit, que j'ai beaucoup aimé. Mais à mon sens, la grande littérature comme ça, c'est un voyage. C'est comme l'Afrique. On ne revient pas tout à fait indemne. Moi, par exemple, je vois, j'étais à Djerba, en club DJ set. C'était juste trop, trop bien, quoi. C'était avec DJ Abdel, en mode what the fuck. C'était trop bien, meilleures vacances de ma vie. Et la poésie, c'est quoi pour toi, la poésie ? C'est ce qui fait renaître notre regard, qui est cette faculté unique, presque magique, de nous montrer les choses que l'on voit tous les jours, que l'on ne voit plus, comme si on les découvrait pour la première fois. Est-ce que tu auras un exemple à donner aux jeunes ? L'incendie de Notre-Dame. Bah, on appelait mon père Raspoutine à la maison. Ouais. Parce qu'il avait un regard vraiment perçant, hypnotisant et un énorme pénis. Et alors toi, comment est-ce que tu travailles quand tu es dans une de tes propriétés pour écrire ? Est-ce que tu mets l'ordinateur au milieu du jardin ? Ah non, ou... moi j'ai jamais touché un seul ordinateur de toute ma vie. Je m'en doutais. Moi je préfère écrire dans des carnets avec un stylo, c'est tellement mieux. Je remplis un carnet par semaine depuis 25 ans. Wow. Ouais, ouais. Sur un Moleskine évidemment, la marque iconique. On peut voir à quoi ça ressemble ? S'il te plaît. Est-ce que je dis oui ? S'il te plaît. Je peux te montrer à toi ? Ouais. Garde bien en tête que c'est des brouillons. Hein. Après, je réécris, je retravaille. Je suis fasciné par ton où tu trouves ton... Enfin, à quoi ça ressemble, l'inspiration ? Ok, bon, je te montre. Hein. Tiens. Merci. Alors voilà, en fait, j'y note de rien. J'y note des idées de blagues, de sketchs, même des gags visuels très courts ou alors plus longs. Aussi des idées de dialogue. Quand je vais dans des bars, parfois, je note ce que disent les clients. C'est toujours intéressant de fréquenter un peu les petites gens. Ça inspire. Faut jamais rester cloîtré chez soi. Moi, j'y crois pas, tout ça. Voilà, et puis même parfois de petits dessins pour me donner une idée de, je sais pas, une idée de plan par exemple, pour un film ou pour une vidéo. C'est un peu tout ça que je mets des idées, et après quand j'ai fini le carnet, je fais le tri, ouais. Voilà. Je peux le récupérer ? Merci. Dans un instant, le chat dézingue toutes les idées reçues sur les abeilles. Qu'est-ce qu'elles sont connes ! C'est quoi tes projets de carrière cette année ? En carrière, bah déjà arrêter de pêcher, quoi. Enfin, pêcher, essayer de pêcher moins, commettre moins de péchés, parce que... Quel péché ? Bah là, j'ai dû... Pêcher de chair ? Je sais pas si je peux le dire. Parce bah, que la coronavirus ou pas, j'avais annulé ma tournée, mon Juicy Living Tour. Ah bon, ça va alors. Parce que j'avais pêché. Je pouvais, pour moi, c'est incompatible avec être un performeur. Je pouvais pas avoir pêché et regarder les gens dans les yeux. Mais t'as fait quoi ? Bah, le pêché est presque cher, quoi. Je suis quand même, je suis vierge, je reste vierge. Mais, oui, je sais. Mais j'ai quand même utilisé ma réputation de chrétien pour contrôler des femmes. Et ça, je me le pardonnerai jamais, jamais. Ou peut-être bien que si. Et peut-être même que c'est déjà fait. Et toi, t'as des projets. Quoi de neuf en solo ? En solo, bah Red Bull va sponsoriser ma défenestration. Ah. Ouais, ça va être diffusé en direct sur YouTube. Gros contrat, j'imagine ? Gros contrat, j'ai vraiment insisté parce que fallait que je rebondisse après mon échec avec mon immolation de Kellogg's qui avait foiré à cause de Dailymotion qui diffusait le truc, enfin diffusait le site, il lag à mort, ça rame tout le temps, c'est vraiment un site de merde. Alors que là, t'as YouTube, t'as Red Bull, États-Unis, Autriche, les deux meilleurs pays. Et toi, est-ce que t'as d'autres projets ? Bah oui, moi tu sais, j'ai toujours le biopic de Drieu La Rochelle, tôt ou tard, c'est inévitable, quoi, qui se fera dès que quelqu'un voudrait bien se lancer, là, tous ces putains de branleurs. Mais j'ai ça, quoi. Mais c'est triste parce que à 20 ans, je pouvais faire le biopic de Raphaël, le chanteur Raphaël. Ouais. Tu sais. Je faisais à la perfection. Dans cette caravane. Tu l'as, c'est lui, quoi. Je suis lui. Ouais. Mais 10 ans après, bah, j'ai pris un coup sur la gueule, j'ai plus que Drieu dans mes cordes d'acteur. C'est tout ce qui me reste, quoi. Tu sais, l'homme, on dit qu'il descend du singe. Moi, là, j'ai quand même, depuis un an ou deux, j'attaque la remontée, quoi.
Je suis entré dans mes années 80. C'est-à-dire ? Les années 80, on s'en rend compte qu'après coup, toujours. Quand on regarde, on se dit qu'est-ce que c'était que ce bordel de synthétiseurs partout, de coupes de cheveux. Mais donc on ne peut pas savoir. Mais là, j'entre dans des années paillasson jusqu'à mes 70 ans, je pense. Bah non, c'est pas vrai. Et tu le sais en plus. Parce que toi, tu sais tout jouer. C'est vrai. T'es un super acteur. Ah, je peux tout jouer, ouais. Tu peux tout jouer. Tout jouer, ouais. Absolument tout. À part, évidemment, bien sûr, les punks à chiens. Ça, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour des raisons morales. Ouais. Mais sinon, à part les punks à chiens, je peux te jouer Drieux La Rochelle sans problème, Mussolini. Ouais. Je fais l'accent africain. Tu le fais super bien, l'accent africain. Ouais. Je peux même me grimer complètement en africain si le scénario l'exige. Je suis vraiment un acteur caméléon. Et puis, je peux te faire dictateur africain avec accent, même dictateur communiste. Hein, moi, si c'est bien payé, je te joue tout ce que tu veux. Tu peux même imiter d'autres stars, toi. Ah ouais, ça c'est fascinant. T'as un talent d'imitateur, j'avais jamais vu ça, quoi. Tu m'as montré Raphaël. Ah ouais. Mais si je te dis, par surprise, là, Mika, le chanteur. Un bonjour, c'est Mika, le chanteur. Putain, je contrôle pas. C'est comment dingue. Tu fais ça vient, je sais pas, ça vient. Ah, vas-y, fais une dédicace, Mika, là. Oh, Mika, je suis Mika, le chanteur sur Energy. Je vais faire des petites chansons avec des trucs. C'est plus moi-même, là. Je suis quelqu'un d'autre. Je parle bien Augustin, là. Je sais pas. Putain. C'est impressionnant. C'est assez fascinant, cet aspect. Est-ce que t'as des tabous en humour? Aucun. Absolument zéro tabou. À part évidemment Angela Merkel. Oh. Touche à ma chancelière, attention. Ça, je me souviens quand tu m'as mis une droite là. J'avais à peine dit Union Européenne que tu m'as foutu une beigne monumentale. Je t'ai déboîté la mâchoire tout simplement. Ça, je m'en souviens. Tu m'as mis KO tout de suite quoi. Et je recommencerai plus jamais. Alors d'Instagram, ton écrivain préféré? Drieux La Rochelle. Ta ville préférée? La Rochelle. C'est là où je me sens vraiment bien, là-bas. Si tu étais zoophile... Et ton long métrage, ça en est où? Alors ça, qu'est-ce que le cinéma, déjà? Est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est une technique? Est-ce un média? Est-ce une industrie? J'ai envie de te Fellini baiser. Parlait d'une matrice. En tout cas, moi, il y a quelqu'un que je veux absolument dans mon long métrage. Il s'appelle Bachar al-Assad. Ah ouais, je le harcèle depuis 10 ans maintenant, parce que c'est un petit rôle... Tout petit rôle, mais tellement important pour l'intrigue. Et là, je pense qu'il va finir par accepter parce que, à partir de 400 000 morts, il doit avoir plus de temps libre quand même. Et ça parle de quoi? L'idée, elle est toute simple. Hein. C'est parti comme souvent du réel. J'étais dans un parc et puis je vois une petite fille qui trébuche dans un bac à sable. Je me dis, mais elle est vraiment con, la gosse. Quoi. Ouais. Je vais voir sa mère qui est à côté. Je dis, elle a quel âge, la gamine? 4 ans, elle me dit. Je dis, ah ouais, elle est vraiment con alors. Ouais. Elle doit être sacrément conne, votre fille. Putain, qu'est-ce qu'elle est conne. Et l'idée est montée petit à petit comme ça, de mettre ça sur grand écran, 24 images par seconde, avec un beau travail sur le son, le frottement des peaux, des muqueuses, beaucoup de grains à l'image que j'aime, des tons cobalt. Ce sera par exemple une lumière bleue qui viendra caresser le visage de Théolia, la petite fille conne. Puis le tout sera en 16 mm. Ouais. Parce que je trouve qu'il donne une vibrance inimitable au rouge, à tous les rouges. Donc pour je les connais. Muqueuses, le 16 mm, c'est vraiment le top. Ouais, mais je connais. Mm-hmm. Par exemple, j'aime bien ce qu'on appelle les travelling. Je sais pas si tu connais. Oui, il y en aura pour la scène où Bachar court dans son rêve, mais a l'impression de ne pas avancer. Et pourquoi Bachar al-Assad? Je sais pas, j'aime bien son univers. Et quid de tes combats? Ah, mes combats, cette année est tellement particulière. Hein. Très moi, bizarre je même. Vraiment mettre le paquet sur la médiatisation de mon combat contre les Acariens qui est un peu passé à la trappe avec le coronavirus. Tu ne seras pas oublié. Pourquoi? Tout ce que tu as fait. Oh, ça c'est gentil. On n'oubliera pas. Tu seras reconnu. Pour ça? Pour ton les combat. Acariens. Tu mettras celui, le combat contre les Acariens. T'es gentil, tu dis ça, mais toi aussi t'as des jolis combats. Oui, mais c'est un combat purement personnel. Ah ouais. Tu sais, moi je suis pas du tout altruiste. Ça, j'aime moins les combats personnels. Bah ouais, mais... bah là c'est mon combat personnel.
Mais tu le connais, c'est quand je vais, après ma mort, avant de m'incinérer, j'aimerais qu'on me pique sur tout le corps, comme on pique une saucisse avant un barbecue. Ça te ferait bien. Ça me ferait du bien, ouais. Moi, j'adore ça, moi. T'aimes bien ça, ouais. J'aime bien, ouais. Les gourmandises. Putain, ça me rappelle trop une soirée à Cannes. Ouais. Fini méga tard, genre petit matin. On rentre, on est là sur la croisette, tranquille. Il était tellement tard qu'il y a les services municipaux qui commençaient le ménage, qui sont mis à asperger tout le monde au canon à eau en mode what the fuck. Nous, on était là bourrés, défoncés à la coke, à l'exta. On n'en avait rien à branler, juste défoncés. C'était hyper cinégénique quoi, comme moment. On était avec DJ Abdel encore une fois. Et je pense que c'est là qu'est né mon désir profond du cinéma. Ma pulsion scopique de filmer de manière organique, quoi. De mettre 24 images par seconde sur mes rêves, mes ambitions. Allez, on se retrouve tout de suite. Et toi, tu vas nous dire pourquoi les soignants sont les nouveaux Daesh. Les soignants, c'est les nouveaux Daesh. T'écoutes quoi en ce moment ? En ce moment, j'adore Ampoule, Étagère, Delphine and the Tatamis, qui passe souvent sur Inter, c'est agréable. Mais aussi, j'aime bien Bébé Corbeau, qui est un DJ que j'apprécie beaucoup de par sa maturité, vraiment rare de nos jours. Et toi, c'est quoi ta chanson préférée ? Moi, ma chanson préférée, c'est... Bah, c'est ton rire. Tiens, c'est marrant, je réécoutais ton spectacle Self-Hating Sevenol. Toi, t'es vraiment Sevenol. Classique. T'es Sevenol ? Depuis plus de 7 siècles maintenant, ouais. Mais t'es né là-bas ? Né à Paris, mais conçu au cœur de la Garrigue. Ah bon, t'es pas né sous X, toi ? Non, au contraire. Beaucoup de gens pensent ça, mais en fait, je suis né sous la direction d'Emmanuel Leroy à la Durie. Et je suis né en colère. Parce que je venais de taper 9 mois de répète, j'avais juste envie de monter sur scène et d'enchaîner les gigs, tu me connais. Et ouais, mais mon enfance, c'est sûr que cette bâtardise, parce que j'avais une partie de la famille en Espagne, donc pour les autres, ça les dérangeait, visiblement. Et cette bâtardise, elle me mettait à part. Mais ma générosité me ramenait toujours. Même aujourd'hui, je me fais souvent avoir encore à être aussi généreux avec les autres. Mais c'est pas grave, c'est pas moi le perdant, c'est pas moi qui perds. Oh, moi j'adore l'Espagne, je suis quelqu'un de très tactile, très tactile. Moi c'est de là-bas que je viens, que je viendrai toujours. Toute ma famille depuis des siècles et des siècles et des siècles. C'est une lignée de gens très très simples, tous dans le même village, Mierejo de Valle. Ouais, je connais. Qui est dans la région de Castilla et León. Je connais, ouais. Et c'est que des gens hyper simples. Il y a ma grand-mère qui est restée là-bas, 70 ans, mais hyper jeune dans sa tête. Très très raciste comme moi, on discute beaucoup de tout, de toi, de moi, de lui, de elle. Et c'est des moments que j'adore passer avec elle, que je chéris. Et toi, tes parents, ils font quoi ? Tu viens d'où ? Moi, mon père, il est mort. Merci beaucoup d'être resté avec nous. On va à présent aborder la partie politique de cette émission. Pour en parler avec nous, Augustin Chakalpopoulos. Augustin. On se dit à tout de suite, on se retrouve dans un instant. Ne bougez pas. Ciao, ciao. Augustin, quels sont les vrais enjeux de la prochaine présidentielle ? Augustin Chakalpopoulos. Bonjour. Quels sont les enjeux de la prochaine présidentielle ? Pour 2022 ? Oui. Oh, je dirais en un, la destruction totale de l'humanité. Castration générale obligatoire. Il faut complètement éradiquer l'homo sapiens.
Et en deux, bah, le chômage quand même, parce que je fais partie des gens qui pensent que quand on trouve un emploi, on a quand même beaucoup de problèmes qui disparaissent. Qui vois-tu pour 2022 ? Macron, je sais pas. C'est fortement probable, mais je sais pas. Il s'est quand même pris une grosse crise sociale qu'il n'avait pas vu venir avec le mouvement des, que dis-je, le scandale des Vélib qui ont causé des... Jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des stations, il n'y en a toujours pas. Et puis, ses propos sur les micocouliers, on ne les a pas oubliés hein, dans les jardins. Il a dit quoi ? C'était en privé, mais d'une violence. Il est en train de perdre les voix des pépiniéristes. Et puis là, on est entré dans une crise économique, quand même. Ah bon ? Ah oui, avec un plan de relance très ambitieux, mais qui est un emprunt. Il va falloir rembourser cet argent un jour. Comment ? Avec quel argent ? Moi, ce que je lui ai proposé, je soumets parfois des idées, c'est d'essayer peut-être de financer ça, par exemple, en interdisant le mariage gay, pour, provisoirement. On regarde, comme les 80 km/h, on essaye un an ou deux d'interdire le mariage gay, on voit si ça fait gagner de l'argent ou perdre de l'argent, et puis si ça fait perdre de l'argent, on gagne. Enfin, suivant les résultats, on remet le mariage gay ou pas, tu vois. Il y a plein d'idées que j'ai. Bah, moi, je suis quelqu'un d'assez prévoyant, j'ai mis 50 euros de côté à la banque. Comme ça, si la situation économique se dégrade, eh ben, je sais que je les ai. Est-ce que toi, tu envisages de te lancer en politique ? Est-ce que tu pourrais te lancer en politique ? Pas tout de suite. Je peux aider. Ah. J'ai une notoriété de proximité qui est là, qui peut faire peser dans un sens ou dans l'autre. Et Macron, oui, moi je l'aime, comme plus que n'importe qui, mais pas parce que c'est Macron, c'est parce que c'est le président. Donc j'ai envie qu'il fasse bien et qu'il soit réélu. Et réélu, et réélu, et réélu. Et je pourrais faire, oui, comme Sinatra a aidé Kennedy, ou Cali avait fait avec Ségolène. Pourquoi, Augustin, vouloir tant défendre les petites gens ? Tu sais, j'ai la collection DVD de l'émission Striptease. Donc je connais le peuple français, ses aspirations profondes. Et ça me touche. J'ai envie de les aider. Moi, je sais pas si je pourrais faire ça, hein. Moi, j'éprouve une vive méfiance envers les politiciens. Surtout Néron et Caligula. Qu'est-ce qui s'est passé pour qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, l'autre jour, je vais à Nice. Voilà, j'arrive place Masséna. Évidemment, iconique. Et là, place Masséna, qu'est-ce que je vois ? Tu vois le Buffalo Grill. T'es jamais allé à Nice, mais tu vois où il est le Buffalo Grill. Eh ben, c'est devenu un pizza dell'arte. Voilà. J'étais même pas au courant. On m'a pas informé. On a informé personne. Et depuis, nique les politiciens. C'est... Comment tu peux leur faire confiance, honnêtement ? T'es collapsologue ? Ouais, je suis persuadé que la tour de Pise va s'effondrer. C'est vrai que... Moi, j'y pense beaucoup à tout ça, à la planète. L'écologie, c'est un de mes combats. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans mon think tank. Parce que j'ai un think tank, ouais. Qui consiste en quoi ? On va dans un tank et on réfléchit. Récemment, on s'est dit qu'il fallait mettre de plus en plus d'abattoirs verts. Par exemple, je sais pas, en égorgeant des animaux avec des hélices d'éoliennes. Mais oui, les solutions, elles existent. Voilà. Comme le plastique. On pourrait très bien se passer du plastique, ouais. Le remplacer par le truc des crevettes, la peau des crevettes. Mais les alternatives, elles sont là. Exactement. Il faudrait faire du Vaucluse un compost géant. Eh oui. Mais j'aime pas seulement les arbres, les plantes, j'aime aussi les animaux. Moi, j'adore les animaux. Ah, qu'est-ce qu'ils peuvent être mignons. Ouais, surtout les chats. Moi, mon chat, il s'appelle Tibalt. Et j'adore les chats. Même quand je vois un chat et qu'avant, on me dit « Attention, il griffe », eh ben moi, il me griffe pas. Non, il joue avec moi, il se laisse caresser et il fait des câlins. Moi, je pense que dans une vie antérieure, j'ai été une litière. Et même les avions, l'écologie. Les avions, on ne devrait plus... Enfin... Enfin, on pourrait tout à fait les réserver aux... Pas, parce que là, ils veulent interdire les avions pour les vols... Courts de... qu'on peut... Moins de 2 heures. Eh ben, on pourrait tout à fait rendre... Oui. Enfin, réserver les avions aux... Enfin, que les... Pas que ce soit pas tout le monde, que ce soit que les membres des Rolling Stones voilà. Qui puissent prendre l'avion. Et c'est faisable
avec par exemple des badges, un système de badges à présenter à l'entrée de l'avion. Comme ça, si tu es dans les Rolling Stones, tu peux, et sinon tu peux pas. Voilà, ou c'est alors que tu sois des Stones, ou alors si tu es même Bruce Springsteen. Oui, oui, s'il fait un jour un bon album, il pourra tout à fait prendre l'avion. Mais pour l'instant, il a pas vraiment, il veut pas faire une tournée à l'étranger, ça mérite pas non plus. Il peut voir Antoine de Caunes par webcam, ça va, c'est pas non plus... C'est comme Rilke, Rainer Maria Rilke. Tu vois, c'est pas non plus du niveau de prendre l'avion pour aller promouvoir ses, ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le sens de l'histoire, tout ça. Le sens de l'histoire, on le connaît. C'est l'écologie, les fachos et montrer sa bite. Là, Benjamin Griveaux, ce qui s'est passé, c'est la dernière fois que ça arrive. Mais la prochaine fois, ça va être obligatoire de montrer sa bite pour être élu. Benjamin Griveaux, le candidat de la mairie de Paris. Ah, tu sais, moi, j'en ai rien à foutre. Enfin, de Paris, ça m'intéresse plus. C'est devenu une ville de merde. Enfin, il y a encore deux endroits qui valent encore le coup, c'est, je dirais, la Tour Jussieu et la Fontaine, place du Québec. Mais sinon, Paris, il n'y a plus rien, quoi. Mais c'est pour ça que je suis parti en Lozère, m'installer là-bas. Tu sais, en Lozère, les femmes sont plus dangereuses que les fusils. Est-ce que toi, t'as déjà vu des tourterelles baiser? Et si jamais il y a une deuxième vague de coronavirus et que Macron est touché, qu'est-ce qui se passe? Bah, si le président de la République meurt, c'est le président du Sénat qui le remplace. Ok. Maintenant, si Macron et Larcher sont hors service, les institutions de 58 sont encore une fois très claires. C'est Miss France qui organise un conseil de sécurité à l'ONU dans les 3 jours et qui prend le pouvoir en France jusqu'aux élections. Tu t'es pas demandé pourquoi on l'a pas entendu pendant toute cette crise sanitaire? Parce qu'elle est dans un lieu ultra protégé. Elle se tient prête. Moi, le système, non. Moi, je suis anti-système, tu sais. Mais quand je te dis anti-système, en fait, je te parle de mon système immunitaire. Système immu. Je déteste ça. Allez, on termine, comme à chaque fois, avec l'élection de la personnalité d'Ava de l'année. Alors, Augustin, qui est la personnalité d'Ava de l'année 2020? Oh, bah, tu te souviens combien l'an dernier j'avais été bluffé par la résilience du fenouil. Oh oui. Avec ses propriétés digestives hallucinantes qui avaient illuminé mon année. Eh bien, et atomisé le podium, hein, tu t'en souviens? Oui. Cette année qui est 2020 si particulière. Assez bizarre. Mmh. Eh bien, en cette année, ça ne pouvait être que la personnalité de l'année d'Ava 2020, la Hupe Fassier. C'est la Hupe Fassier. Bravo à elle. Qu'est-ce qu'elle est belle. La Hupe, très 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 belle. Elle est vraiment belle. Ça vient de sortir, c'est tout nouveau, c'est dans Dava que vous la découvrez. La Hupe fucking Fassier, le tout nouvel oiseau de la franchise Marvel qui a levé 200 millions de dollars, rien que ça, pour son premier week-end sur nos pelouses, à rechercher des larves de grillons et de coléoptères. C'est la Hupe Fassier. Elle est belle. La Hupe, ouais, qui a donné le mot salope en français. Elle est vraiment belle. Grande femme, grande, grande, grande bonne femme. Waouh. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Ta gueule.